Alléluia. Amen. Parce que Dieu a un plan dans lequel on est. Et sa maman, elle est là. Ah oui, sa maman, elle est là. Vous voyez, Dieu sait ce que Dieu fait. Ça fait partie de la vision de Dieu. Amen. Si je ne l'avais pas connue, parce que Dieu, il permet toujours. J'ai fait un enfant avec elle. Mais aujourd'hui, c'est moi qui l'ai soutenu dans l'enfant. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est moi qui la pousse pour son ministère. Amen. C'est ma femme qui la pousse pour son ministère. Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas un échec. Ça fait partie de ton histoire dans la vie. Amen. Donc, accroche-toi seulement dans la vision de Dieu. Ne commence pas, ma vie n'a rien fait pas. Ma vie n'a rien fait pas. Non, mais le gars, qui t'a le gars, qui t'a le gars. Non, ma vie, nous avons le gros. Nous sommes tous en train de l'eau. T'es bon, Dieu a construit, Dieu ne ment point. Amen. 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 C'est ça Dieu. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas moi. Amen. Où est les enfants qui m'ont dit? Regarde, si on ne dit pas aux gens qu'on est une famille de composés, personne ne va les voir. Vas-y. Parce que dans d'autres familles, ça serait la guerre. Ça serait, oh non, des choses de prix dans cette église. Ça, c'est pas Dieu, ça. Ne laissez pas Satan détruire nos vies. Alléluia. Croyez en Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu ne ment pas. On a un seul ennemi qui s'appelle le diable. Et le diable utilise des hommes. Comme Dieu nous utilise, le diable aussi utilise des hommes. Moi, quand je vois ça, je crois en Dieu. Amen. Moi, c'est ça mon foi. Je n'ai pas besoin que vous me disiez des versets, dis des versets comme tu veux. Moi, sur les versets, là, j'aime pas tout. Moi, c'est ce que je vois. Amen. C'est ça que je crois. Parce que ça, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Dans notre famille, c'est les guéguerres. Ah, c'est les guéguerres graves. Elle, c'est Pierre qui est là. Elle, c'est la fille de ma maman Joseph. C'est mon enfant. Amen. C'est ça, Dieu. Moi, pour moi, c'est mon enfant. Amen. Amen, amen. Parce que c'est sa sœur. C'est mon enfant. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Il n'y a que, c'est seul Dieu qui peut donner cet amour. Il n'y a que Dieu. Dieu ne ment point. Et c'est ça l'évangile. C'est l'amour. L'évangile, c'est pas c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, frère, tu as Satan avec toi. Amen. Et dans l'église, il y a l'amour. On a ramené les diables à l'église. Amen. On a ramené le diable dans l'église. Quand tu as dit, mon ami, je vais. Maman, je vais aller avec. Ça, c'est. Moi, je t'attends pour ça, je te fais dehors. Mais comment me dit, yo, il est une chose sur vous. Yo, mon gars, tu es une chose sur vous. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de frère. Mais c'est quoi ça? Et dans l'église du Seigneur. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Mais c'est nous. Nous sommes en train de véhiculer le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Dieu est mon poids. Bon, maintenant, les mensonges qu'on a eu, c'est qui nous a ramené? C'est le diable. On a viré les côtés. On a ramené le diable dans l'église du Seigneur. Et on a ramené la vie. Alléluia. Ce que nous prêchons, c'est un peu d'amour. Peuple de Dieu. Gardons la vision de Dieu. C'est Dieu là, c'est Dieu là. Ne changeons pas de cap. Ne changeons pas de gauche à droite. Nous sommes en train de crucifier les pasteurs. Nous sommes en train de détruire l'église. C'est vous le problème. Voilà combien vous voulez. On a entendu. Tout le monde qui était là. Mais aujourd'hui, me traite des sorciers. Aujourd'hui, me traite des. De tout le monde, oiseau. J'entends. Mais j'ai bien dit, Seigneur. Mais moi, je suis dans la vision. Moi, je ne bouge pas. Mais c'est eux qui sont perdants. Moi, j'avance, ça y est. Moi, j'ai fait mon évangile. Je fais ma mission que Dieu va me compter de l'étoile. Mais ne perdons pas la vie. Ne perdons pas la vie. Et mon Seigneur, Dieu vous aime tellement. Si Dieu nous a ramenés dans l'église, c'est pas en avance. Si Dieu nous a ramenés, la merci, parce qu'il a encore aimé. Nos enfants, ils sont là. Pourquoi vous venez à l'église? C'est parce que moi, je suis gentil. Vous, c'est l'église de votre papa. Non, pourquoi vous venez alors? Hein? Non, lui, non, parce que non. Moi, si tu me crois pas, si mes enfants me croient, ça me suffit. Amen. Elle, c'était ma secrétaire.
Le Dieu là, c'était mes secrétaires. Quand j'avais les copies, j'ai parlé avec les deux petits. Quand on traquait les filles, moi c'était mon attrape. Voilà, voilà. Comme pour ma basse, elle m'avait même dans la balle. Elle va s'appuyer pour aller dans la balle à la mine. Voilà les grands passés. L'autre, ma maman, merci la question. Pourquoi je suis pas fan de ma maman, elle m'a dit, t'as la fille, mais vous, ma vie. Moi, mon pilote, on est dans la base, c'est bien la base. Parce qu'on va bien dire. Bah, lui, on se bat des mots, va aimer. Bah, lui, papa, moi, j'ai longtemps pour la parole de parler. Bah, lui, papa, lui, on se bat des mots, on se bat la base. Et ça m'a révolté un peu dans la tête. J'ai dit, ah, bah, là-bas, on va en avoir, on va dans mon boulot, on va dire. On va se là-bas. On va le layer. Alors, c'est lui qui a la vision, s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, amen. Si je connaissais Jésus, peut-être j'allais faire les dégâts que j'ai fait aujourd'hui. Ouais. Si j'ai fait les dégâts, t'as la bande, c'est ma dégâts parce que la main est Jésus. Parce que je ne connaissais pas la vision de Dieu. Quand tu connais la vision de Dieu, il t'arrive. Amen. Tu rentres dans son corps. Mais pourquoi toi tu viens pour moi? Chacun de vous dit parce que vous êtes vrai. Une église à ta dame. Amen. C'est pas l'église de papa. Il veut servir Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faites preuve chacun, vous allez derrière. Vous savez, je suis une question qui est très grave. Moi, en fait, en 2015, je cherchais en fait une église. Et en 2015, j'ai dit Seigneur, à la rentrée, il faut impérativement que je reprenne le chemin de l'église. Parce que je suis en fait fatiguée d'être chez moi. Seigneur, je serai à la maison, mais. Il faut avoir une vie de prière vraiment constante. Et je disais tout en se posant, Seigneur, moi je te servirai. Et donc j'ai prié. Et pourtant, bah, l'église de papa a toujours été là, hein, mais bon. Et la maman, j'ai jamais mis les pieds. Pour vous dire, la première fois que j'ai mis les pieds, c'était bah, quand j'ai commencé à venir en mois de septembre, octobre. Donc ça ne m'intéressait pas du tout. Même comme mes soeurs me disaient, bah, viens, on va à l'église de papa et tout. Oh, ouais, on ira seulement, mais bon, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis après, bah, y a eu des événements dans ma vie qui sont passés. Et puis bah, Dieu m'a ramené ici, et puis c'est papa qui a dû faire mes séances de délivrance, tout ce qu'il va avec et tout. Or que pourtant avant j'y croyais même pas, je me disais oh, c'est mon père, donc je calcule pas, mais voilà, me voici ici. Donc si je viens ici, c'est parce que vraiment, j'ai vraiment vu vraiment le Seigneur derrière mon père. Et aujourd'hui je suis dissociée de mon papa, de l'homme de Dieu. Après Maman Rose peut-être, parce que j'ai toujours été avec les parents, donc à la maison et tout. Et je me rappelle quand le ministère il a commencé, j'étais la première, je disais moi franchement, je ne croyais pas, vraiment, je ne croyais pas, je doutais, je me demandais ce que vraiment c'était la volonté de Dieu. Mais je suis quand même venue avec mes parents. Et je me rappelle à la maison, on chantait, j'étais chante. On avait commencé tous là comme ça à la maison. Et après, le ministère a commencé. Et c'est là où j'ai vraiment vu comment Dieu est vraiment dans cette assemblée. Parce que j'ai vraiment aussi plein de choses dans ma vie à manquer. Et c'est pour ça que je tiens quand même aussi à dire merci à Dieu aussi. Merci à mes parents parce que vous êtes des parents juste merveilleux. Je suis heureuse de vous avoir. Continuez à avoir des ministères. Moi, je crois en vous. Même si des gens peuvent dire, mais sachez que Déborah est là. Ouais, je serai toujours là. Donc, je vous aime de tout mon cœur. Et merci, papa, parce que tu as vraiment fait de ma mère une femme heureuse. Tu nous as pris petit, tu m'as pris, j'étais un enfant et aujourd'hui regarde la femme que moi je deviens. J'ai envie de te dire merci et je demande à Dieu que papa tu vives longtemps parce que j'ai besoin de toi. C'est un papa merveilleux. Merci.
Quand ils ont commencé, c'était l'heure que je venais déjà. Je me suis dit, j'ai pas envie, j'ai envie de dormir, j'ai pas envie. Et après, Dieu m'a beaucoup de ma vie. En passant par la messe, tout ça, j'y croyais pas et un jour je suis venue à l'église. Et j'avais un esprit de mort qui me suivait. Et Dieu est passé par mon père et s'est passé beaucoup de trucs. Beaucoup, beaucoup, et il a toujours été là pour moi, ma moitié. Et moi, je les encourage encore. Et je veux que Dieu continue à voir mes parents pour remonter encore sa gloire. Amen. Chaque fois, je disais à mon père, mais non, c'est du Jésus à la télé, c'est trop. Les gens, ils vont croire que je suis trop derrière Dieu et tout. Et finalement, après, je me suis dit, je vais laisser tout ça. Et je vais venir servir Dieu à l'église. Et c'est là où j'ai commencé. Je suis rentrée dans la chorale. Je chantais déjà, mais ça ne faisait pas trop d'entrer dans la chorale. Et après, je suis rentrée dans la chorale. Et voilà, c'est pour ça que je suis à l'église et pour servir Dieu. Et j'espère aller plus loin. Donc, comme je fais toujours mes prières, je dis toujours à Dieu. Et que mes parents ils allaient continuer leur ministère encore plus loin, plus loin, plus loin. Parce que nous, comme disait mes parents hier, on a eu la chance de connaître Dieu dès le plus jeune âge. Eux, ils n'ont pas eu la chance, moi j'ai eu la chance. Tout le temps, je conseille mes copines à venir à l'église. Voilà, donc si je suis là, c'est pour la chorale, chanter pour Dieu, et j'espère aller plus loin avec ça. Amen. Ouais. Parce que c'est Dieu là qui nous disons, Dieu n'échange pas la situation. Lui, il ne parlait pas jusqu'à 3 ans. C'est lui le premier garçon. Jusqu'à 3 ans, il ne parlait pas. Si on peut entendre dans ce témoignage, ça va le faire. C'est pour dire que Dieu ne ment pas. Amen. Toutes les communes ont dit que non, monsieur, moi je dis, il y a un Dieu. C'est à vous parler. On va traiter de fou. Hein. Quand j'allais là-bas, on dit, mais monsieur là, c'était des mignons. Non, je veux confondre la vérité. Je veux vous dire que Jésus-Christ est Seigneur. On a ramené, excusez-moi, là où il y a des enfants qui parlent. Les enfants qui commencent à. C'était frère. Ça s'appelle la mère. Ouais, frère Gagné, ouais, là-bas, frère Gagné. Et on a franchi mon enfant, non, là non. Lui parlera. Je vais donner le nom de mon Saint, parce que moi, mes enfants, ce sont les hôtels que j'ai bâtis pour Dieu. Lui, il m'a fait sortir du monde en 2004. Pour me faire entrer dans les Seigneurs. Tout ça, je l'ai appelé Moses. Et celui-là, c'est là que j'ai donné le nom de Moses, il m'a sorti du monde. Mais comment il parlera pas? Et Dieu a permis ça pour que sa maman rentre encore dans la prière. Alors, comment ne pas croire à un Dieu comme ça? Amen. Dieu, il faut voir. Moi, tu peux me dire les versets que tu veux. Je m'en fous de tes versets. Amen. Moi, c'est que quand je vois mon fils, pour moi, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Parce que j'ai vu Dieu. Tu peux m'expliquer quoi? Moi, j'ai vu la main de Dieu. Jusqu'à 3 ans, il paraît qu'il n'y a pas d'acte de naissance. Un enfant né sans papier. Né en France, mais sans papier. Je suis parti à l'Assemblée nationale partout. Ils ont rien compris. On nous a saisi même le niveau des mariages. Vous avez vu ce mariage, le niveau des mariages. Premier combat. On nous a saisi le niveau des mariages. On l'a mis dans le niveau des mariages, même date que son petit frère qui est en 2006. 2 ans après. Parce qu'on ne voulait pas ce mariage. Parce que le diable voyait ça. Alléluia. Amen. C'était l'occasion de nous séparer. Parce que c'était le premier fils, et le premier fils, il parle pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, mon ami va nous dire. Ah, donc, moi, c'est un ami, faut-il à elle. Mm. Famille, je fais, c'est vraiment ma vie. Il faut croire en Jésus. Alléluia. Amen. Il pas la famille, l'homme qui verra sa famille s'attachera avec sa femme devant une sainte chère. Attachons, mon Seigneur. Si j'avais ramené ma famille, c'était l'histoire de faire asseoir à la famille, on ne serait pas la même.
On dit, ah non, cette femme-là, t'as vu, tu me fais le bien, tu l'étais bien, mais l'autre, il est venu. Donc ça veut dire que la femme-là, elle promet des mauvaises choses. Il faut la virer, on ne serait pas là. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est Dieu, ça, c'est le premier combat. Vous voyez, deux hommes derrière le combat. Mais Dieu, là, c'est Dieu. Amen. On a eu des combats et des combats. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Dis Amen. Alléluia. Amen. Prophète de l'Éternel. C'est une prophète. Il y a un savoir pour le monde. Vas-y. Je suis venu parce que Dieu m'a dit, il m'a parlé, il m'a donné la bénédiction. Et je suis venu aussi pour le nommer. C'est pour ça que moi, je suis venu pour le Amen. Vous êtes les premiers derrière. Il a des félicitations. Je ne lui parlais pas. Il a épaté Christ sur moi. L'école au Liban. J'ai un chéri cet enfant. Depuis qu'il a commencé le primaire. Mon ami, il a fait ça pour les gens laisser les gens. Non, non, non. Cet enfant, non, laissez-les. Et jusqu'à aujourd'hui, les écoles. Le diable, c'est un. Malheur. Le diable, c'est un. Malheur. Dieu ne ment point. Dieu ne ment point. Ta vision va se réaliser. Ton plan va se réaliser. Je te l'ai dit cet après-midi, ton plan va se réaliser. Accroche-toi à la vision de Dieu. Tu n'es pas le Père qui neige, qui monte. Jésus qui fait. Ne laisse pas l'action au diable. Nous avons l'occasion de donner l'action au diable. On a une occasion. Même Dieu. On a dit non, Jésus-Christ est Seigneur. Dans les désirs, on est à deux. Jésus-Christ est Seigneur. Si moi ça va venir, papa, ça va aller. Allez, on y va. Si elle est là, maman, ça va aller. On y va. On s'accroche au Seigneur. Parce que c'est cette vision va se réaliser. Ce n'est pas en fait que Dieu nous a mis ensemble, c'est pas pour échouer. Est-ce que Dieu t'a mis sur la terre pour échouer? Non. Il a demandé pourquoi tu échoues alors? Pourquoi tu échoues? Parce que tu ne crois pas la vision. Tu traites Dieu de menteur. Arrêtons de traiter Dieu de menteur. Alléluia. Quand tu traites Dieu de menteur, tu deviens désagréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Dieu compte la vision. Celui qui va avorter, pas aller tout seul à l'hôpital, il avorte. Pour l'avortement, tu peux le faire, moi. C'est ça que nous avortons la vision, nous-mêmes. On va chez Satan. Satan fait ôter moi ça. Et Satan fait quoi? Il entend qu'il sort. Ah, je viens pour l'avorter, ma vieille maman. Oh, Lili. Oh, là-bas, la nanaté. Moi, là, comment la série? Oh, attends, on roule du ballon, là. C'est nous qui allons voter le truc. Oh, moi, là, on s'en arrête aussi, ma. Et aussi, ma. Alléluia. Nous sommes en déclaré 2016, année de la récupération. Tout le tien, on est trop récupéré. Alléluia. Parce que c'est à toi. Tu n'as pas volé. C'est à toi. Crois la vision. Dieu, reste Dieu. Non, ne veux pas voter ta vision. Ta vision est rien. La prophétie est réelle. Est-ce qu'on va acclamer ces dieux? Est-ce qu'on va acclamer ces dieux? Non, tu vas acclamer ces dieux. Ton attitude dépend de ton attitude. Tu vois comment tu acclames Dieu? Je te touche à dire qu'à la minute, pas avec Marie-Paul. Bon, Marie-Paul, toujours cette chambre à sous-là. Vas-y, qui me dit à la minute, au chalet, c'est ça le problème. Quand on est devant Dieu, lui qui est ça, mais il acclame les seigneurs. Parce qu'on les envie au fond. On dit un mot, de lui n'a pas payé. Mais c'est tout ça. Moi, Péla dans ce temps, comment bouger pour moi? Mais il est ça. Amen. Son secret, c'est ça, c'est Jésus. Amen. Il y a Azara Baptiste, il est gros, Azara Baptiste. Qui c'est les alliés? Il nous dit, ah, Azara Baptiste, Azara Baptiste, c'est un dernier. Azara, nous, on t'a rejoint en bas. Il a le Seigneur, il croit en Dieu plus que toi. Toi, tu crois en Jésus, toi, tu es là. Acclame le Seigneur. Au moins, il y a Foucault Maya, adoration, il y a Foucault Maya. C'est ça, parce qu'il croit au Seigneur. Amen. Ça, c'est Dieu pour vous faire comprendre que vous, pourquoi vous croyez en Dieu? Vous pensez que le monde croit en Dieu plus que nous? Nous, c'est nous qui suivons la vision de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ces dieux? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour ces dieux? C'est pour cela qu'on ne peut pas mourir. Nous sommes dans la fête aujourd'hui.
notre Maki Moskilamano. Maki Moskila Mano. 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 Maki Moskila Amen.
sais pas comment exprimer ça. Alléluia. Si je suis là, c'est pour témoigner mon Dieu. Alléluia. C'est pour témoigner les dieux de papa. Alléluia. Je suis sa femme de Dieu, tout le monde me connaît. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur MC Touba. Donc je suis pasteur à l'armée de Victoire Paris. Alléluia. Mon père spirituel, c'est continuons faire la nôtre. Alléluia. Donc Dieu donne, nous les servons, les serviteurs de Dieu en général, Dieu donne à chacun quelque chose particulier. Alléluia. Et on se complète. Alléluia. Donc les diables attaquent toujours les justes, comme on dit. Alléluia. Les diables attaquent toujours les étoiles. Si tu n'es pas attaqué, ça veut dire que tu es rien. Un enfant de Dieu, il faut que tu sois attaqué. Amen. Un enfant de Dieu, c'est toujours... Un chrétien, c'est toujours le combat. Amen. Quand tu vois le combat arriver, ça veut dire que Dieu est devant ta porte. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu m'a attaqué d'une façon, je ne sais pas dire. Mais quand papa Richard m'a vu, malgré que j'ai prié pour les gens, alléluia. Moi aussi, j'ai prié pour les gens. Dieu m'a donné la grâce aussi, alléluia. Je prie pour les malades, je prie pour les problèmes et tout. Mais mon problème à moi, c'est quelqu'un d'autre qui va les faire. Alléluia. Amen. Malgré qu'il y a des servantes, il y a des serviteurs, tout ça. Mais Dieu a voulu que je puisse les rencontrer. Alléluia. Amen. Je suis en France depuis 89. Alléluia. Amen. J'étais encore vraiment très très jeune. À 89, je suis en France. Mais le diable a pris, comme on dit à Lingala, a vu vraiment Mikanda dans la Sainini. Avant Néla. Alléluia. Amen. Tous mes enfants sont français. Et moi, on m'a donné que la carte de 1 an. Tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais dire, malgré les avocats, malgré je ne sais pas. Donc, le diable a dit jamais, tu n'auras pas. Mais, il y a une personne. Quand on dit non, lui il dit quoi? Oui, oui. Là où il y a l'impossibilité, lui fait quoi? Ça devient possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Malgré les obstacles, j'étais toujours persévérante. Alléluia. Amen. J'étais toujours derrière ces dieux-là. Malgré les combats, malgré les problèmes, j'étais toujours derrière ces dieux-là. Quand on m'envoie aller par là, je vais. Quand je pars, donc je les sers partout dans le monde. Alléluia. Malgré que je ne regardais pas mes problèmes à moi, mais je regardais les problèmes des autres. Et je servais les autres. Alléluia. Même si tu as des problèmes, toi, sers les autres. Si tu as quelque chose, il faut donner. C'est Dieu qui va te rembourser. C'est Dieu qui va te payer. Alléluia. Et Dieu a voulu que je puisse venir ici et raconter son serviteur. Et quand il m'a vu, il m'a dit que Dieu m'a parlé. Dieu va te bénir. Toi, crois seulement à ces dieux-là. Continue toujours à prier et à servir ces dieux-là. Dieu va répondre. Amen. Alléluia. Amen. La dernière fois que je suis venu, il a prié pour moi. Il a prié pour ma fille. Alléluia. Qui est vraiment attaquée toujours. Mais je sais que notre Dieu est plus fort. Amen. Il est plus puissant. Amen. Il est là, il va faire, il continue à faire. Amen. S'il commence quelque chose, mais bien aimé, il ne s'arrête pas. Amen. Il va arriver jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a commencé par moi. Les papiers qu'ils avaient assis sur ça, nous avons passé une tchèque bango moto. Alléluia. Et Dieu l'a débloqué, mes bien-aimés. Il n'y avait qu'un papier de 1 an. Et Dieu a décidé qu'à partir de la prière de son serviteur, Dieu a débloqué, m'a donné la carte de 10 ans. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un puisse bénir son serviteur. Amen. Tu peux essayer de monter, mon maman. Tu peux faire un monde. Amen. Amen. Tu peux faire un système, ya. Moto. Moto de vérité. Et vérité. Alors, on va continuer le Canada. Des missions d'opération. Amen.
Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va louer pour le roi des rois. Amen. Non, j'ai dit on va louer pour le roi des rois. Amen. Je sais que c'est la fête, mais on va louer pour le roi des rois. Amen. Ça dit quand on loue le roi des rois, c'est lui qui est assis sur son trône. Là où il y a les 24 vieillards, a dit, on se dit, mon centre, mon centre, mon centre, mon centre. Ça dit, tout le monde a dit, le ministre, tout le monde a dit, roi, parce que ici si c'est Jésus qui est le roi des rois. Amen. Donc on s'élève pour le roi des rois. Yahweh, 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 Yahweh,
Thank you.
Je suis venu parce qu'on m'a dit, excusez-moi, je suis comme deux hommes. Il y a un amour de moi. Amen, hein? On s'en a rien à chaud. Hein? Nous sommes venus pour l'anniversaire, hein? L'anniversaire. Moi, maman Rose m'a appelé hier soir. Elle m'a dit, mais madame, vous savez, j'étais en train de rigoler là. Je disais au pasteur, à l'évangéliste de Richard, tu m'as volé ma fille. Parce que quand Rose s'est repentie, elle est venue dans le Seigneur, c'est moi et mon mari qui l'avons encadré. Elle est là. Ses enfants l'étaient de petits. Je ne sors pas. Les gens me connaissent, mes enfants connaissent. Maman ne va pas dans les églises. Je ne pars pas comme ça, mais je suis venu parce que je suis venu honorer ça. Ça, est-ce que vous pouvez t'attendre aussi de joie, mon voyage bien? Un peu de plus de joie. Amen. Ça se comme on a honte journée les kinden ni plus que toi que on fait 12e anniversaire ya maman Rose na papa Richard Kiangata. Alors journée les kinden ni pour nayo comment on a maman Claudette on a journée à l'élo en tout cas journée les dit très bien faites l'équipe bien tout se peli après 40 jours on a besoin à gêne donc à vous avez une gêne avant fait tout il y a 40 jours et cela qui hier samedi. Donc le lundi, il fallait qu'on fête en haut. Et l'équipe va vraiment très bien. Nous sommes à la salle. Ah, d'accord. Merci beaucoup à toi, aux autres minutes. Merci beaucoup. Faites l'équipe bien. Vous avez 12e anniversaire. Il y a mariage, il y a ma parent, l'abus spirituel. Non seulement ça, ils ont équipé dernier jour, il y a 40e. Tout ça là qui jeûne, il y a 40 jours. Donc ici là qui ici les lo y a un autre profiter qui pour nous ça la fête ina pour souhaiter bango bah joyeux anniversaire y a mariage na bango mais il s'est passé très bien on a été vraiment dans la joie de fêter avec nous tous et puis voilà donc tout bien vraiment c'était dans la joie. Alors bonsoir mon frère. Alors c'est un grand plaisir d'être sur notre chaîne. Je pense que c'est peut-être la première fois. Ouais, c'est vraiment la première fois. C'est la première fois. Donc on va juste te demander ton prénom et puis nous dire ce que tu as trouvé de mieux au cours de cette fête. Alors je me présente. Donc moi je m'appelle Trésor. Je suis le beau-fils de Papa Richard et de Maman Rose. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là pour célébrer leur anniversaire de mariage et de leur ministère. Et ce fut un très bon moment dans la présence de Dieu. Et nous sommes venus ici, en tout cas pour les encourager dans leur vie de couple, dans leur ministère. Et que le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses puisse vraiment les éclairer. Et en tout cas leur révéler la direction à suivre par rapport à leur ministère et leur couple. Et que comme on dit, là où il y a l'union, il y a la force.
et que ça continue comme ça, parce que c'est vraiment aussi un témoignage pour nous les jeunes mariés. Et voilà, je voulais vraiment leur dire merci, merci en tout cas pour le travail qu'ils font, on va dire au sein du corps du Christ. C'est le corps du Christ est grand, hein. Donc et ils ont leur partie du corps qu'ils gagnent. Et c'est ainsi comme ça qu'on doit travailler, on doit s'encourager. Et puis voilà, c'est pour vous dire à tous, encourageons-nous tous les uns les autres. Et DJ 13, Holy Fever, on a Bandimi Anzambe. Merci beaucoup mon frère, et que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc c'était une fête le 12 ans du mariage du couple Richard et Rose Kangata. Alors, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est très bien passé. Donc, on a reçu l'invitation, on est venu fêter. Et puis, on fait partie de cette assemblée, merci. Donc, ils ont fait 12 ans de mariage. Ils étaient déjà ensemble avant. Les 12 ans, c'est 12 ans de mariage, hein, quand ils sont partis se présenter, voilà. Donc, c'est un grand plaisir. Ben, on a fêté avec eux, ça s'est bien passé. On a mangé, on a dansé, on a remercié Dieu aussi, parce que 12 ans, c'est quand même beaucoup. C'est pas tout le monde. Vous avez dansé, mais je vous ai pas vu danser. Si, bon, bah, ça, bah, j'ai dansé un peu, j'ai dansé, j'ai chanté, voilà, ça s'est bien passé, tout le monde s'est amusé, et puis voilà, que Dieu leur bénisse, qu'ils continuent, parce que 12 ans, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a pointé du doigt en me disant, oui, mais elle là, elle chante comme Marie Missamou. Moi? Oui. Ouais, bon, tout le monde déjà me dit ça, mais... Alors, est-ce qu'il y a moyen de nous faire une petite cantique pour voir un petit peu à quoi ça ressemble? Une chanson de Marie Missamou? Oui. Enfin, je chante pas comme elle, je chante à ma manière, mais je sais pas, les gens ils aiment bien me dire ça. Ça doit être peut-être par rapport aux animations, aux show-show, mais en chantant, c'est... Un petit truc d'elle. Ponako talana ki tala tala ya moi, Oloué pe samina moi sinaye. Moi nana ye pe moto a zwingolu, Yako vanda nanda konaye o. Zambe ozali roi. Itala tala na yo ndeli loba na yo okumisa mapoete ngolu epesa meringa yi princesse moto liboso abanda kotala kitala tala ezali yo nzambe kitala tala na yo ndeli loba na yo oyo ebikisaka e. Donc voilà, merci beaucoup ma sœur. En tout cas, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est une agréable fin de soirée, hein. Et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir ma soeur. Est-ce que tu peux nous donner juste ton prénom et nous dire pourquoi tu es là ce soir? Oui, donc moi je me prénomme Hélène. Alors je suis venue pour l'anniversaire de mes parents, papa Richard et maman Rose, qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de mariage. Je suis venue les soutenir. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'arriver jusqu'à ce nombre d'années qu'ils ont fait. 12 ans. 12 ans de mariage, c'est énorme, c'est bien. Et j'espère que Dieu puisse encore une fois les accompagner dans leur ministère et dans leur union. C'est ce que je peux leur souhaiter. Alors un petit mot pour ceux qui n'ont pas été là, ceux qui étaient empêchés ou qui n'ont pas voulu venir partager ces moments de joie avec vous. Donc c'est dommage, parce que c'est vraiment des gens exceptionnels, qui ont une générosité hors norme, qui ont beaucoup à donner. Les absents ont toujours tort. Merci beaucoup et bonne soirée. Hein. Merci.